الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الدرس الثالث من دروس شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله في كتاب جامع الخيرات صحيفة 19 قال شيخنا انما سميت الاشعرية لان الامام ابا الحسن الاشعري قرر هذه العقيدة بالادلة القرانيه والحديثيه وبالادلة العقليه فسميت هذه العقيده العقيده الاشعرية ولكن هي ليست شيئا يختص به انما قرر ما كان عليه الصحابه والتابعين بالأدلة من القرآن والسنة والأدلة العقلية وقمع المخاصمين أو أصحاب الفرق الضالة فسميت به الأشعرية كما تقول مثلا المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي لكن كان في بلاد ما وراء النهر إمام يقال له أبو منصور البغدادي أو أو أبو منصور الماتوريدي، وهذا الإمام ما الماتوريدي قرر كما قرر الإمام الأشعري العقائد التي كان عليها الصحابة مع أنهما لم يلتقيان. آآآ،الوغ أه... شيخنا إلى دي كو سيت كرويونس أهل السنة والجماعة، on l'a nommé la دو الأشعري والعقيدة الأشعرية. باسكو سيت إمام Regardez la croyance qu'il avait les compagnons et à Tabi'in et à Tabi'in, et il a cité après les arguments du Coran et de la sunna et des preuves rationnelles. Le prophète, alayhi الصلاة والسلام) dans le rêve, lui a ordonné de travailler sur cela. Au début, l'Ash'ari, il a mis les livres à côté de l'Mu'tazil ou et le prophète est venu une deuxième fois. Il lui a dit Qu'est-ce que tu as fait à ton sujet Il a dit euh, Moi, j'ai mis les, les livres des, des sectes, tout ça à part. Il a dit Mais le prophète a -il lui a dit Je t'ai ordonné de faire ce travail, pas l'autre. Pas le fait seulement de mettre à côté. Et il a dit Si j'ai pas su que tu auras de la part de Dieu une guidée à ce sujet, j'allais te dire. Alors à ce moment, Ashari il a travaillé en commençant à citer les preuves du Coran et de la Sunna sur la voix et la croyance de Sahaba et leurs élèves et il a cité même les preuves rationnelles et il a débattu avec les grands têtes de parmi les sectes et Mu'tazila, Khawar, Jahmiya, de tous ces sectes là et il a vraiment euh, coincé et, et les a cassés, humiliés devant les gens c'est pour cela qu'on l'a nommé imam ahl al-sunnati wal-jama'a. J'ai dit dans le pays derrière le fleuve de jehon dans les pays de l'ex-Union soviétique, comme tu dis, Ouzbakistan, Tatarstan, Tajikistan, tous ces pays, il y avait l'imam al-Mansour al -Mansour, il Et il a fait le travail comme l'achari. Et il a, euh, il a cité l'aqida comme il a cité l'achari, malgré que les deux ne se sont pas rencontrés. Mais... Puisque c'est la croyance de Sahaba et Tabi'in et c'est la même. Et il y avait une certaine divergence entre eux, on peut dire, dans les, la manière de, de, de parler linguistique, mais pas au fond, ce n'est pas quelque chose de, de très profond ou quelque chose qui est, qui est grave, mais des fois sur les termes. لانه كان في ذلك الزمن اناس شذوا عن تلك العقيده فانتدب هذا الامام العظيم للمكافحه والدفاع عن عقيده اهل السنه والجماعه à son époque de lachari il y avait beaucoup des gens qui ont allé à l'égarement et qui ont pris le chemin de la dérive au sujet او qadar au sujet دو العقيدة et ألوغ plusieurs alors cet imam a pris Le, la devance est pour répliquer, et je viens de dire que le prophète wassalam, lui est arrivé par le rêve deux fois. Et sur ce sujet, celui qui veut connaître plus encore, il y a le livre que lui, l'imam al-Ashari, a fait, Al-Istihsan, il s'appelle Al-Istihsan, on l'a dans la bibliothèque, c'est pas très grand, mais malgré ça, lorsque tu lis, tu vois le niveau de cet imam. Euh, قال فبين أدلة أهل السنة من حيث النقل ومن حيث العقل إلى ستة بروف دي جون أهل السنة والجماعة بار لي يعني من القرآن والسنة أو بار لي بروف راسيونيل سميت هذه العقيدة التي هي عقيدة الصحابة ومن تبعهم إلى عصر إمامة بالحسن الأشعري العقيدة الأشعرية ألوغ سيت عقيدة كي لا دو الصحابة إي سو كي العقيدة الأشعرية Alors, celui qui est resté à la croyance de compagnons on le nomme Ashari. Pourquoi Parce que, comme il y avait plusieurs sectes à cette époque-là, et l'Ashari, il a pris la défense de al Sunnah al jama'a en ayant en lui la croyance de Sahaba et Tabi'in. Et il a cassé les autres. Alors, on dit Ah, tu es avec l'Ashari. Toi, tu es Ashari. Tu es avec l'Ashari. Tu es Ashari. De là, on l'a nommé al al-Ashari. ولم يأت هو بأصل بالعقيدة يخالف ما كان عليه الصحابة إن بايمني إنشوز العقيدة لا الصحابة. Vous allez voir les livres. Et vous allez regarder, la croyance de la Sha'ira ne contredit pas la croyance de Abu Hanifa, ne contredit pas la croyance de Shafi'i, ne contredit pas la croyance de l'Ahmad, ne contredit pas la croyance de l'Imam Malik, ne contredit pas la croyance de Ibn Sirin, Saïd ibn al-Musayyab, et par la suite ne contredit pas la croyance de Sayyidina Ali, ne contredit pas la croyance de Omar et de Abu Bakr, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Lui il a élargi les preuves et les arguments. Il a trop abordé le sujet en ayant plus d'arguments, plus de preuves pour maintenir et soutenir la voix de as-Sunnah jamaa Et il a maintenant encore beaucoup parlé. Il a monté, il a Utiliser beaucoup de preuves et d'arguments contre les sectes et leurs fausses croyances. C'est pour cela qu'on l'a nommé l'imam de Ahl Sunnah jamaa En répliquant quant au Al-Khawarij, les assimilateurs, ceux qui nient l'existence de Dieu et d'autres sortes de mécréances. Il a mis à nu leurs faux arguments.

et il était très intelligent à déduire les jugements de la part du Coran et de la Sunna alors il a humilié alors on a dit que les les chefs de Mu'tazila, le, les têtes des sectes avait la tête haute, qui débattre avec nous, qui arrive à débattre, qui veut discuter, qui veut faire un débat. Alors là, Jarré est venu, il a commencé à, à débattre avec ces gens. On a dit, on les a serrés dans les tiges, dans les tiges de sésame, parce que les tiges de sésame, si vous voulez, c'est des petits trucs. On les a cernés là-bas, et il les a étouffés, il les a coincés, à tel point qu'on les voit, c'est pour dire... Qu'ils étaient trop, trop humiliés. Ils n'arrivaient pas à parler à sa présence. Et ils n'arrivaient pas à débattre. Il les a cassés, il les a écrasés. Euh, la croyance de l'Ash'ari, c'est la croyance des centaines de millions de musulmans. À la suite de le sultan Mohammed Al-Fatih et le sultan Salah din على هذه المعتقدات، كان السلطان محمد الفاتح الذي غزا اسطنبول، وفي الحديث، لا تفتحنا القسطنطينية فلا نعمل أمير أميرها ولا نعمل جيش ذلك الجيش. أيّ جيش؟ أيّ قائد؟ أيّ أيّ وصلاح الدين الأيوبي صلاح الدين أفسد المعتقدات، وصلاح الدين أهدي كتاباً في العقيدة الشعرية 500 بيت شعر. أيّ إلى أوفى صلاح الدين ابن مكي. Ibn Maki, il a fait un livre au niveau de l'acquida, euh, au sujet de l'acquida, 500 vers de poésie pour que ça devienne facile à apprendre par cœur. Et Salahuddin il a, euh, il a mis euh, l'ordre, a donné l'ordre de l'enseigner dans les écoles. On dit à peu près 30 000 écoles. Qui ont enseigné ce livre à l'époque de thien, elf, al Tlétine, elf madrasas. Mine l'Irak et le Yémen. Depuis l'Irak jusqu'au Yémen, les écoles ont enseigné ce livre. Et nous, on, a, on a ce livre-là. on dit al wa al-Usoul. <coughs> on dit al c'est pas Salah-Din qui a écrit, mais on l'a offert à lui. Et on l'a nommé l'Aqidah al-Solahiyya. Alors, hâve à al, al jazaïr sur cette croyance les savants de l'Algérie, ulama zaitouna, les savants de la Tunisie, ulama el Maghreb les savants de du Maghreb, ulama Mauritania ulama Egypte, ulama en Somalie, le Kenya, en Thaïlande, les Philippines, ou Indonésie, ou Malaisie, aux Maldives voilà les savants de l'Islam c'est ça leur croyance et j'ai cité beaucoup de pays et les autres pays comme la Turquie, Pakistan, Bangladesh, euh, l'Inde uh, et certains de pays de l'ex-Union soviétique, c'est Hanafit en ayant la croyance d'al-Maturidiya qui est similaire à la croyance de Abdel Hassan al-Ashari. Les Ulama d'Indonésie, au Caire, et du Levant, tous, le Yémen, l'Irak, la Turquie, l'Afghanistan, l'Inde, le Sindh, l'Afrique, l'Abyssinie, le Somalie, l'Afrique du Sud, tous ont cette croyance qui s'appelle aujourd'hui al-ash'ariyah, et quand que tous ces pays, que ce soit l'Indonésie, l'Égypte, le pays du Cham, le Yémen, l'Irak, la Turquie, l'Afghanistan, l'Inde et, et le Pakistan, l'Afrique, le, le sud d'Afrique et d'autres, ils avaient cette croyance parce que comme j'ai dit, celle de l'achari ou l'ma turidi, c'est pareil, la divergence, c'est dans des petites choses qui ne ramènent pas à l'égarement. « Wa sahaba wa at-tabi'in wa at ila an wasalat ila asr sayyidna Hassan al-ashari. C'est la croyance de l'sahaba, compagnon, c'est la croyance de l'tabi'in, c'est la croyance de lat jusqu'à ce qu'elle est arrivé vers l'achari. Bien sûr, maintenant il y avait des sectes, comme je viens de vous dire, mu'tazila. Lorsqu'ils sont apparus en Niyel Qadar, c'était un petit groupuscule et il y avait certains compagnons. Il y avait certains compagnons qui étaient présents lorsque le et en parlait. Et à un certain moment, il y avait Tashsim ou Tashbi dans le 3 siècle. Et ces gens-là étaient rejetés. Ils étaient, euh, on les a, comme l'imam Malik, il a chassé quelqu'un de parmi ces gens-là lorsqu'il a dit « Kaif Il a dit « Comment stawa L'imam Malik l'a viré, il l'a chassé de sa séance, elle a dit tu es un homme innovateur, parce qu'il a utilisé le mot Kaifa » pour Dieu, il a utilisé, il a dit comment est et comment tu dis pour moi et pour toi, c'est pas pour Dieu al ثم استمرت وثبتت بين al-Muhammadi. » Cette croyance est établie dans la majorité de, du coin du monde, comme je viens de dire. Maintenant, tu parles de l'Australie et new zélande et le Japon, il y a des musulmans là-bas. Jusqu'à l'Amérique, parce que l'islam s'est rentré dans ces pays dans le siècle qui est passé. Mais avant, on disait de de l'Inde, de l'Est de l'Inde et la Chine, jusqu'au Maroc. Mais maintenant, il y a plus. Les musulmans sont encore plus loin. avec cette croyance. Ismail Safawi n'a pas utilisé la, 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 les arguments, tout ça. Ils ont tué les gens de Ahl Sunnah, ils ont tué des millions. Et c'est pour cela qu'il y a certains gens ils sont rentrés dans le schisme parce qu'ils avaient peur qu'on les tue. Que ce soit Ismail Safawi ou quelqu'un qui s'appelle Abbas ou Kada, c'était des grands criminels. Et, mais tandis que le qui est apparu deux siècles en arrière, deux siècles et demi et maintenant il se trouve à Najd à Najd, à euh, Riyad, à Darayya à Qassim, etc voilà, ça c'est une secte soutenue par les anglais les anglais qui lui ont fourni les armes l'argent parce qu'ils ont vendu la Palestine aux sionistes alors les anglais ils les ont aidés comme il a dit en euh, bref, euh, cette secte-là actuellement, ils ont les moyens et l'argent, mais c'est un 0,0. Mais la plupart, des, beaucoup parmi les gens, c'est les esclaves de l'argent. Alors ils suivent, ils sont avec celui qui a l'argent. Beaucoup parmi les gens, ils courent derrière l'argent. ta'ala. ثم صار موجودا يعني من جملة العقائد التي عليها السنة أن الله هو الأزلي وكل ما سوى حادث دونس كرويونس دو أهل السنة والجماعة لا كرويونس دو الإمام الأشعري كي لا كرويونس دو الصحابة كون لابخي دو القرآن الكريم كو الله تعالى إلي لو سول كي با دو ديبي إي توت أوتر شوز أن ديبي إي إلي كريي مادة العالم وأشخاصه كل ذلك حادث ليس شيء من الدنيا قديم Le monde, le genre du monde, les éléments, les particules, tout ce que vous voyez dans ce bas monde est une créature. Il n'y a rien de ce bas monde qui existe sans début. Toute chose à part Allah est une créature et Allah seul qui existe sans début. Dans le non-commencement, avant le, temps, avant le temps, parce que le temps est créé avec le, la première créature qui est l'eau. Parce que le temps, une fois qu'il y avait l'eau, et un instant a passé, voilà, on dit voilà le temps. Un instant a passé, et on peut dire que il peut être anéanti, on dit le temps a existé. Alors Allah existe avant le temps, avant les places. Alors le temps est une créature, les places est une créature, la lumière est une créature. Euh, les ténèbres est une créature. Idan az hadith, al-makan hadith, hadith, ta'ala Allah est de toute éternité, n'a pas de début. Et toute chose à part Allah a un début. Allah Ta'ala, son existence n'est pas précédée par le néant. Toute chose à part Allah, son existence est précédée par le néant. Toutes choses à part Allah, son existence le Allah,

من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة سولا سي بارمي لا دو أهل السنة والجماعة دون القرآن الله تعالى أدي هو الأول والآخر دون القرآن الله سبحانه وتعالى أدي هو الأول سيلوي كي إي وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره إي الحديث لو حديث بار البخاري إي الله إذا هذه العقيدة مستمدة من القرآن والسنة. ذا العقيدة كي لافي الأشعري، كي لافي لي كومبانيون، تخوف سا باز، دون القرآن إلى السنة. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئاً، لأنه لو كان يشبه شيئاً من العالم لم يكن خالقاً للعالم. Deuxième chose, qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. La il a Allah, dans sa signification, rien n'est pareil à Dieu, rien n'est similaire à Dieu, rien n'est semblable à Dieu. Parce que si Allah est semblable à ses créatures, comment peut-on dire il les a créées? Puisque tu dis Allah est similaire à, si quelqu'un il dit Allah est ressemble au monde, alors comment tu veux dire c'est Allah qui a créé? Si tu dis par exemple A égale B.

La foi doit le sonner. Toute chose qui accepte le changement qui change, ce n'est pas un Dieu, c'est une créature. Toute chose qui change d'un état à un autre est une créature. Toute chose qui accepte le changement est une créature. Gloire à Allah, exempt de toute imperfection. Qui fait changer les choses sans que lui change et ça c'est la preuve que le monde est une créature parce qu'il change tout le temps alors c'est une preuve et je vous ai cité encore quest ce qui était écrit sur le mur qu'on a trouvé sous la mosquée des umayyads de, qui date depuis Jésus ou Moïse que lorsque ce bas-monde naît toujours sans les signes de contingence parce qu'il change tout le temps إلوغ سولا أن إبراهيم عليه السلام لما زيف عقيدة أهل بلده وكان هو ببابل بأرض العراق ولد هناك وكان أهله وغيرهم من البشر في ذلك الزمان كلهم على الكفر إلا ابن أخيه لوط وزوجته سارة، كانا مسلمين. Ibrahim était à Babel en Irak. Les gens étaient à son époque mécréants, sauf lui, son épouse Sarah et son neveu Lot. Ils étaient musulmans. Mais les autres, ils étaient des, des gens qui adoraient les astres, ils adoraient le soleil, la lune. Ibrahim a pris l'argument contre sa communauté par le fait que... L'astre change, la lune change, le soleil change. Lorsque l'astre a disparu, il a dit Je n'aime pas celui qui disparaît. Il a dit la même chose pour la lune et le soleil. Celui qui change n'est pas un dieu. Comment il a Ibrahim appris que c'est lui qui disparaît La disparition, Ibrahim sait que l'astre disparaît, la lune disparaît. Il disparaît ici, mais il apparaît ailleurs. C'est pour cela, il a dit, je n'aime pas l'adoration de, de ceux qui disparaissent parce que la disparition, c'est un changement. Tagayur. Et Ibrahim, a utilisé l'argument rationnel que le changement est un signe de contingence. Celui qui change, il ne faut pas l'adorer. Lorsque sa communauté n'a pas compris, il a dit clairement. Il a dit, je n'adore qu'Allah, le créateur de ceux, de ce et la terre lorsqu'ils n'ont pas compris que celui qui change n'est pas un dieu il leur a dit clairement au début il a voulu le faire attirer à réfléchir à raisonner le changement ça veut dire c'est une créature change ça veut dire créature un état puis après dans un autre état ça veut dire créature ils n'ont pas compris alors il a dit il faut pas adorer tout ça j'adore celui qui a créé les cieux et la terre alors إلا أن الله تعالى لا ما ما فهموا فأعلن صراحة أنه يعبد الله الذي خلق السماوات والأرض ألقوه في النار فلم تحرقه النار. يا قوم يقول تعبدون شيئا يتحول من الحال إلى حال الشمس تتحول القمر يتحول الكوكب يتحول كيف يصلح هؤلاء أن يكونوا معبودين مع انهم يتغيرون والمتغير يحتاج الى من يغيره comment vous adorez quelque chose qui change et celui qui change a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer s'il est dans le besoin ce n'est pas dieu المحتاج ما بيكون اله هيك رب العالمين لما ذكر عيسى ومريم قال كانا ياكلان الطعام يعني هم بحاجه للطعام كانا ياكلان الطعام الى دي الله تعالى Au sujet de Jésus et sa mère, ils mangeaient la nourriture. Ils mangeaient la nourriture. C'est pour dire qu'ils étaient dans le besoin. Ils avaient besoin de manger pour vivre. Et celui qui est dans le besoin n'est pas Dieu. <mérite> celui qui est dans le besoin n'est pas Dieu. ولا يصح ان يكون هؤلاء الاشياء خلقوا انفسهم أَوْ هم يخلقوا سي بافالاب دي دير سلا لو الشمس فكراي لوي ميم و لو الشمس فكراي لو القمر فكراي لوي ميم سي بافالاب عشان كده انت تقول هي قبل سن وجوده و بعد سن وجوده لا يصح ان تقول هذه الاشياء خلقت نفسها بنفسها كبعض الناس يقول لك ايه الطبيعه اوجدت نفسها بنفسها هذا اللي ما بيفكر ليش لانه يجعلها قبل قبل الوجود يقول هي C est, c est, tu ne peux pas dire qu'il existe avant son existence et après son existence. Du point de vue créateur, il existe avant du point de vue créature, existe après. Comment ce Ne soit dit que par une personne très très idiot. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا